20 collectifs, dont Alternativa La Ciotat, se sont mobilisés pour manifester le mercredi 22 mars au Vieux-Port de Marseille pour la préservation de l'eau et des écosystèmes, avec le même slogan « Au secours ». Les groupes en lutte ici présents se sont rencontrés et retrouvés ces derniers mois dans des luttes qui ont pour point commun la préservation de l'eau et de ses chemins. Dans la région PACA comme ailleurs dans le pays, beaucoup trop de projets industriels qui mettent en danger l'eau sont soutenus par les services de l'État. C'est pourquoi nous voulons interpeller le préfet de région, ici à Marseille, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Nous, collectifs, associations, syndicats, citoyennes et citoyens, nous ne voulons pas que notre eau soit polluée, perdue ou gâchée à cause de la voracité d'industriels et du laisser-faire de l'État. La sécheresse est devenue endémique. Elle dure à présent toute l'année et avec le dérèglement climatique, cette catastrophe ne peut que s'amplifier. La lutte pour l'eau ne fait que commencer. Et oui, il va falloir être nombreux, organisés, créatifs, déterminés, car nos adversaires ont faim d'argent. Cette faim les dévore et ils s'en fichent de mettre en péril toute vie, toute possibilité d'avenir. Les organisations syndicales doivent donc tout repenser, leurs revendications, leurs textes de congrès, leur façon de militer, leurs critères de déclenchement d'un mouvement social, à l'aune des trois épées de Damoclès qui oscillent au-dessus de nos têtes, la limite des ressources, dont l'eau, le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Les hommes.